Les grands ports au nord-est de la Chine ont été gravement affectés par la glace qui a recouvert des milliers de kilomètres carrés de mer. Plus de la moitié de la baie de Liaodong, dans la province du Liaoning, a été paralysée. Dans le nord-est de la Chine, la glace a recouvert près de 20 000 km² de mer dans la baie de Liaodong, province du Liaoning. Selon l'administration océanique, c'est près de la moitié de la baie qui est paralysée. L'industrie maritime des grands ports a été gravement affectée par la glace. Dans le port de Yingkou, les températures sont descendues à moins 18 degrés Celsius. Le Centre national des prévisions maritimes a émis une alerte bleue. La mer glacée est causée par deux facteurs. D'un côté, des vents violents et de l'autre, une chute violente des températures. Entre la mer de Bohai et la mer Jaune, plus de 33 000 mètres carrés d'océan ont été affectés par la glace. Selon les prévisions, cette situation devrait se poursuivre. Cette vague d'air froid va rester pendant un certain temps et la surface de mer gelée va continuer à s'étendre. L'alerte bleue sera maintenue pendant toute la période glaciale. Les autorités ont été prévenues de se préparer à une aggravation des conditions en mer et à un maintien de température extrêmement basse.